Comment tu perçois cet album? Parce que là, il est sorti au mois de juillet. Ouais. Là, on est au mois de septembre. Voilà, quels ont été les retours? J'ai de très très bons retours. J'ai jamais eu autant de ma fanbase est en train de grossir chaque jour. On est quasiment à 100 000 followers sur Facebook. J'ai vraiment de bons retours. Moi, je pense que c'est mon meilleur disque. Je parle vraiment de la globalité du disque, c'est-à-dire le mélange entre musicalité, chanson, vocalement, harmoniquement. Je trouve que c'est le plus efficace. Pour moi, c'est pour l'instant le plus réussi. Il est peut-être moins profond textuellement que le précédent. Je ne sais pas si tout le monde n'y trouvera pas son compte, c'est sûr. C'est le cas en général pour tous les artistes. Mais je suis fier de ce disque et c'est un des rares disques qui m'arrive d'écouter, que j'ai fait. D'habitude, je suis pas trop... J'écoute pas trop ma musique, mais celui-là, quand je me retrouve dans des endroits et que les gens le mettent, je suis agréablement surpris à chaque fois, justement, comment on a réussi à faire fonctionner la musique, quoi. Bon, je sais que toi, t'as pas de tabou. Non, c'est vrai, pas trop. Financièrement, comment tu te sens? T'es beaucoup mieux qu'en 2009? Oui, je suis beaucoup mieux qu'en 2009, ouais. Mais là, pour l'instant, c'est pas tellement grâce à ce disque. C'est plus par rapport à tes projets annexes. Exactement, c'est plus grâce au Street Tape volume 2 et 3, ouais. Qui ont justement, voilà, comme je te disais, trouvé une énorme résonance sur Internet, ouais. Et qui m'ont permis de faire beaucoup de sons de système, qui m'ont permis de retrouver une certaine hype et une visibilité et donc de regagner ma vie grâce à la musique. D'accord. Parce qu'en 2009, effectivement, il y a un moment donné où chez Warner, ils ont un peu, enfin, mes anciens producteurs, à un moment donné, ont vu que les radios jouaient pas trop le jeu, ils ont un peu baissé les bras, et je me suis retrouvé tout seul à porter ce disque dont j'étais pas le propriétaire des bandes, puisque j'étais en artiste, moi. Donc c'est pas pareil que quand t'es toi-même producteur et que là t'as toutes les clés en main pour aller démarcher les gens et t'as toute la liberté pour faire ton boulot, quoi. À un certain moment, presque même douloureux de faire de la musique, donc c'est pas pour ça que je la fais, quoi. C'est parce que j'aime le faire et que je prends du plaisir à le faire. Donc là, t'es toujours signé en artiste? J'ai signé en artiste chez Polydor. D'accord, t'es plus en licence, quoi. Là, je suis plus en licence, plus en indé. Avec trois albums à la clé. Avec trois albums à la clé. Ferme. Malgré le succès, je veux dire d'estime, et puis bon, c'est pas encore un gros succès commercial, mais on a déjà vendu 10 000 disques. On n'a pas de radio qui joue en playlist, donc ça veut dire qu'il y a quand même du public. Malgré ça, les médias, finalement, si tu présentes le projet tel quel en tant qu'album de reggae, c'est pas un truc qu'ils ont l'impression que, ah oui, mais le reggae, depuis Bob Marley, ça n'a pas tellement changé. Il y a un truc, je sais pas, il y a quelque chose qui... C'est pas à la mode. Alors que pourtant, j'ai l'impression que dans le cœur des gens et qu'en France, le public est là pour ça, quoi, qu'il y a vraiment des gens qui aiment cette musique. Un million à me montrer du doigt. Donc, c'est-à-dire que ton album, il est dans quel rayon, là? Il est en hip-hop. Non, il est en hip-hop. Ouais, il est en hip-hop. Il est dans le truc urbain, quoi. Ah, d'accord. Ouais. Ah, c'est marrant, ça. Bah, les rayons de reggae sont tellement petits et tellement confidentiels que, voilà, c'est pareil. Si Skyrock joue du rap, il dit que le reggae c'est pas son public, ouais, ouais, c'est pas son créneau. Energy joue que des tubes, Europe 1 ou je sais pas joue de la musique, c'est vrai, un peu plus world, plus global, et sur ces radios là finalement peut-être que le disque pourrait rentrer, mais est-ce que les textes et la musique correspondent à ce qu'ils ont envie de jouer, tu vois, c'est... Ça veut dire que le morceau Love, il tourne nulle part. Il tourne nulle part. Il tourne sur le net, il n'est pas en playlist sur les radios. Il y a quelques DJ qui le poussent comme ça, à la main. Il est sur Trace TV en clip. Ouais. Il est sur quelques chaînes comme ça qui jouent de la musique. Mais on n'a aucune radio qui l'a joué en playlist comme son de l'été. C'est vrai qu'au premier abord, j'étais un peu froid. Et finalement, le refrain a été efficace. Je crois aussi. Quand je suis parti en vacances, j'avais encore ton refrain dans la tête. Donc tu te dis, mince, c'est un morceau qui va tourner.
Et du coup, c'est vrai qu'il ne tombe pas trop. Bah ouais, c'est pour ça qu'on l'avait choisi. C'était un mélange de... Il y avait plein de choses qui se trouvaient dans ce morceau, qui faisaient que ça représentait l'album. Ça parlait, on s'imaginait, au public qui me suit, parce que c'est une weed song déguisée en love song. Ouais, ouais, ouais. Que dans le, musicalement, il y a une modernité dans le son, parce qu'il y a beaucoup de sons un peu électroniques, un peu modernes. Ouais, ouais. Exactement. Et en même temps, c'est un pur reggae, puisque c'est un one drop. Et que la mélodie était efficace. Donc, effectivement, pour nous, c'était un choix qui nous paraissait évident. Et on pensait que ça pouvait être un morceau de l'été, quoi, comme plein d'autres avant celui-là. Et puis, pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Je n'ai qu'une vie et je veux la vie.